c'est soyons compatissants. இன்னைக்கு வந்து ஆண்டவர் எனக்குள்ள என்ன வார்த்தை போட்டார்னா நம்ம இன்னைக்கு எது குறித்து பேச போறோம்னா நம்ம வந்து இரக்கம் உள்ளவங்களாக இருக்கணும் இரக்கம் வச்சுக்கணும் Alléluia. Mais bien aimé, pour être compatissant, faudra avoir la présence de Dieu. Quand tu n'as pas la présence de Dieu, tu ne peux pas avoir la compassion envers ton prochain. நம்மளுக்குள்ள வந்து இரக்கம் இருக்கணும்னா நம்மளுக்குள்ள ஆண்டவர் இருக்கணும். Amen. Si nous allons dans le livre, si vous êtes bien d'accord, vous pouvez prendre vos Bibles dans les livres des Éphésiens, chapitre 4, 31. La Bible déclare, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. அந்த வசனம் எழுதிக்கிட்டு ஒருவருக்கொருவர் தயவோடு மனம் உருகமாக இருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்தது போல நீங்களும் ஒருவரர் ஒருவரர் மன்னிங்கள். Mais bien aimé, c'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ que notre Dieu nous a pardonné. நம்மளுக்கு ஒரு காரணம் தெரியணும், இயேசு கிறிஸ்து மூலமாகத்தான் வந்து ஆண்டவர் வந்து நம்மளை மன்னிச்சாரு. Et si ce Dieu-là nous a pardonné, cela veut dire qu'il nous a restauré, renouvelé et que sa présence demeure en nous. அந்த ஆண்டவர் வந்து நம்மளை மன்னிச்சார்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்னதுன்னா அவரோட பிரசனம் வந்து நம்மளுக்குள்ளே இருக்குது, ஏன்னா அவர் மறுசீரமைப்பு வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துக்கிறாரு. Mais bien aimé, être compatissante, c'est avoir de la compassion. Avoir de la compassion, c'est entrer dans la passion de l'autre et cherchant à trouver, par exemple, pourquoi l'autre traverse des moments difficiles ou pourquoi l'autre se comporte comme cela. Et avoir ce cœur compatissant, c'est que tu peux te poser des questions. Qu'est-ce qui lui a causé autant de soucis et comment entrer dans son jeu? Mais bien aimé, ne soyons pas sélectifs en matière de la compassion. Selon les dictionnaires bibliques, avoir de la compassion, c'est être secoué dans ses entrailles, c'est-à-dire être remué dans ses intestins, de là à être ému de compassion. அர்த்தம் கொடுத்துக்கிறாங்கன்னா நம்மளுக்குள்ள வந்து நம்மள சுத்தி இருக்கும், நம்மளுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் ஒருத்தவங்களை கஷ்டத்துல பார்க்கும் போது. Car mes bien-aimés, les entrailles, c'est notre intérieur, c'est notre cœur. Et notre cœur est censé être le siège de l'amour et de la pitié. ஏன்னா வசனம் எதுக்கு வந்து குடல் குறிச்சு பேசுறாங்கன்னா அது உள்ளதான் வந்து நம்மளுக்கு நட்பும் இருக்கும் அன்பும் இருக்கும், ஏன்னா நம்மளுக்குள்ள இருக்கு. Mais bien aimé, avoir de la compassion, c'est savoir se mettre à la place de l'autre. Et quand on se met à la place de l'autre, on peut faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'on fasse pour soi-même. Oui, quand tu te mets à la place de l'autre, ce que tu aimerais bien qu'on fasse pour toi, c'est ça que tu feras pour l'autre. C'est ça, avoir de la compassion. Et nous savons tous notre exemple, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui était ému de compassion. Je vais vous inviter à aller dans le livre de Matthieu, chapitre 14-13. 13-21, que je vais lire.
À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit de ville et les suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit le malade. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'air est déjà avancé. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Mes bien-aimés, quand Jésus a vu la foule, c'est là engendré en Jésus de la compassion. பிரியமானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்து வந்து அந்த ஜனங்கள் பார்க்கும்போது அவருக்குள்ள வந்து என்ன உணர்த்துன்னா அவருக்கு உடனே கொஞ்சம் ஏற்கம் வந்துருச்சு. Et la compassion de Jésus engendre la guérison des malades et la multiplication de pain et ainsi que de poissons. அந்த ஏற்கம் வந்து அவருக்குள்ள என்ன உண்டாக்குனா வியாதி நோயில் இருந்தவங்க வியாதியோட இருந்தவங்கலாம் வந்து குணப்படுத்துறாரு. அதுக்கப்புறம் அப்பவும் தண்ணியும் வந்து நிறையவா ஆக்குறாரு. Mais bien aimé, soyons compatissantes, cela veut dire que, vous savez, j'ai dormi et je me disais au Seigneur, c'était vendredi, j'ai fait, mais Seigneur, je ne suis pas préparée, mais qu'est-ce que tu vas déposer en moi pour parler à ton peuple? Je lis la Bible, j'ai tout fait, j'ai écouté des prédications, mais rien rentré. Mais bien aimé, les gens du monde disent que la nuit porte conseil. Donc moi je me suis dit, ben, Seigneur, je dors, ben, parle-moi. Donne-moi au moins quelque chose pour que je puisse parler à ton peuple. Alors quand je dormais, ben, ce que j'ai demandé, ben, ça s'est réalisé. Amen. Mais bien aimé, le Seigneur, en me faisant remarquer que certains ou certaines d'entre nous, nous manquons de la compassion. Et je vous dis qu'il m'a montré son église, Jésus-Christ, le soleil de la vie. Et je vis la tête presque de nous tous ici, même ceux qui ne sont pas là. Aujourd'hui, quand il m'a dit qu'il y a certains et certaines qui manquent de la compassion, ah, je me suis dit, hé, Seigneur, mais à quoi bon de manquer la compassion et d'être dans ta présence? Là, c'était dans mon rêve, hein, que je me parlais, quoi, que je parlais à Dieu. Et il n'a même pas, dans les rêves, cherché à m'expliquer quoi que ce soit. Il m'a simplement dit, soyons compatissants. Non, soyez compatissants, excusez-moi. Mais bien aimé, quand Jésus-Christ parle à son église,
Cela veut dire que ça concerne nous tous. Ayons un cœur compatissant. Nous avons vu ici par le message que nous venons de lire que Jésus, il était ému de compassion. Ça veut dire qu'il avait ce cœur-là d'être compatissant envers les autres. Et Paul, il disait, soyez mes imitateurs comme moi, je suis de Christ. Mais cela veut dire que Jésus-Christ est notre modèle. Si lui, il a un cœur compatissant, cela veut dire que nous aussi, nous devrions être pareils. Amen. Mais bien aimé, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, nous parle ce matin à chacun de nous, sans exception, à chacun de nous. Soyons compatissants. Ayons ce cœur-là d'amour. Ce cœur-là de se mettre à la place de l'autre qui souffre. Ce cœur-là de faire monter la prière vers Dieu pour ton prochain, pour ta sœur, ton frère, pour tes amis, de faire montrer ces prières-là pour ta sœur qui est mal, qui va mal. Mais bien aimé, je le répète encore, soyons compatissants. Est-ce que tu peux le répéter, que je puisse être compatissante? Parle à ton cœur, Jésus-Christ écoute. Hein. Ce que tu répètes, si tu ne le fais pas, tu auras affaire à lui. Hein. Mais bien aimé, vraiment, laissons-nous nos cœurs disposés pour recevoir la présence de Dieu. Quand tu as la présence de Dieu, en tout cas, ça ouvre beaucoup de portes. Quand tu as la présence de Dieu, cela veut dire que tu as vraiment de l'amour de Dieu en toi. Mais bien aimé, dans ce message, quand tu as la compassion, tu ne peux pas critiquer ton prochain. Tu ne peux pas calomnier ton prochain. Tu ne peux pas diviser les gens. Mais bien aimé, nous nous plaisons à blesser les uns les autres. Mais dis-toi, si vraiment tu blesses ton prochain, ça te rapporte quoi? Ou tu gagnes quoi? Ou bien cette personne t'a fait du mal et tu cherches à faire la revanche. Tu vas gagner quoi? Comme les gens de ce monde qui disent qu'un plan de quoi déjà? Un plan chaud, c'est manger quoi? La vengeance est un plat qui se mange. Hein? Vous connaissez la suite. Froid. Et je suis sûre que parmi nous, chacun de nous a déjà sorti cette phrase-là dans sa bouche. Compris-moi,
Mais si tu as la présence de Dieu, tu ne peux pas sortir ce genre de phrases dans ta bouche. Tu ne peux pas sortir ce genre de phrases dans ta bouche. Et puis si tu as ce cœur-là, compatissant, cela veut dire que tu vas voir ton prochain qui est en train de critiquer quelqu'un ou qui essaye de diviser des gens, au lieu que tu lui donnes des conseils, si tu n'as pas un cœur compatissant, tu vas regarder comme ça, tu ne vas rien faire, ou tu vas même rentrer dans son jet. Mais bien aimé, quand Dieu nous permet de voir ou connaître la situation des gens ou les faiblesses et les défauts des gens, c'est pour compatir et non pour les enfoncer encore par nos critiques ou par nos jugements ou par nos moqueries et des calomnies. ஒருத்தவங்களோட சூழ்நிலை அவங்க எப்படி அவங்க வாழ்க்கையை குறித்து சில காரணங்கள் காட்டும் போது நம்ம அவங்கள குறித்து சிரிக்கணும்ன்றதுக்கு இல்லை இல்லை குறை சொல்லணும்ன்றதுக்கு இல்லை ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து உதவி செய்யணுன்றதுக்காக தான். Cela veut dire que quand Dieu te permet de connaître la faiblesse des autres, de connaître la difficulté de ton prochain, ou bien de connaître que cette personne est malade, c'est pour te pousser par la présence que tu as, Dieu en toi, de te pousser à l'aider, de te pousser à prier pour la personne, mais pas à critiquer, pas à la faire descendre, pas à comment dire, vraiment le Seigneur te donne ces capacités-là de d'aider ton prochain. அதனால ஆண்டவர் வந்து உங்களுக்கு ஒருத்தவங்க சூழ்நிலை தெரிய வைக்கும் போது இல்ல பலவீனத்தை தெரிய வைக்கும் போது இல்ல ஒரு வியாதியில இருந்தா அதை தெரிய வச்சா உங்களுக்கு அதுக்கு அர்த்தம் என்னதுன்னா நீங்க ஜபோல வந்து அவங்களுக்கு இறங்கி அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும்ன்றதுக்காக ஆனா அவங்களை குறை சொல்லணும்னு இல்ல. Quand tu as un cœur compatissant, tu ne peux pas te moquer de ton prochain. உங்களுக்கு ஒரு இருக்கமுள்ள ஒரு இதயம் இருக்கும் போது நீங்க மத்தவங்களை குறிச்சு சிரிக்க மாட்டீங்க. Tu ne peux pas critiquer ton prochain. மத்தவங்களை வந்து குறை சொல்ல மாட்டீங்க. Avoir la présence de Dieu, mes bien-aimés, ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் நம்மளுக்குள்ள இருக்கும் போது c'est à faire du bien à son prochain. அது வந்து மத்தவங்களுக்கு வந்து நல்லது செய்யிறது. Avoir la présence de Dieu, c'est à faire à ton prochain ce que toi tu voudras qu'on fasse pour toi. Avoir la présence de Dieu, c'est aider quelqu'un qui est dans les difficultés. Là, nous avons vu que Jésus-Christ, il avait vu que ce peuple-là n'avait pas à manger, que ce peuple-là, qu'ils étaient malades, il a eu ce cœur-là, la compassion envers eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite prié pour les malades. La Bible dit qu'il guérit les malades, il a guéri les malades. Et la Bible dit aussi qu'il a multiplié le pain ainsi que le poisson. Vous savez que nous aussi, on a le pouvoir de multiplier des choses. Qui le sait ici qu'il a le pouvoir de multiplier? Ou bien quand il y a beaucoup de gens chez toi et que tu as peu de choses à faire à manger, il suffirait que tu vas faire une prière, tu vas voir que ces peu de choses-là va rassasier tous ces gens-là qui sont là chez toi. Je sais parce que ça m'a déjà arrivé. Amen. C'est ça, avoir la compassion. Le Seigneur nous appelle à chacun de nous d'avoir un cœur compatissant. Vous savez, quand tu fais du bien aux gens, quand tu t'oublies toi-même et que tu t'occupes les gens, des gens, c'est là que le Seigneur va s'occuper de toi. Mais bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu sur cette terre. Nous sommes des enfants de Dieu. Et ce n'est pas normal que nous sommes toujours dans la matation. Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Non. Ce n'est pas normal. C'est pour cela quand
on a un cœur compatissant, mes bien-aimés, tout ce que tu vas demander au Seigneur, il va te l'accorder. Parce que tu fais du bien aux gens. Moi, en tout cas, j'ai pas dit que j'ai lu toute la Bible, mais j'ai parcouru la Bible. Je n'ai pas vu où le Seigneur Jésus-Christ s'est mis à critiquer quelqu'un avec son pote Pierre. Je n'ai pas vu Jésus-Christ faisant la tête à Paul. Il est un Dieu d'amour. Quand il voit que Pierre se détourne de son chemin, il les ramène en droit chemin. Il nous demande d'être pareil. Au lieu de descendre ton ami, de les critiquer, va vers ton ami. Parle-lui avec amour. Si même, tu peux même prier pour ton ami là. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Avoir un cœur compatissant, ça nous ramène à être bon comme notre Seigneur Jésus-Christ. Avoir un cœur compatissant, mes bien-aimés, ça nous ramène aussi à être toujours joyeux. Parce que quand tu es rempli d'amour, tu dois toujours être joyeux. J'ai jamais vu quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse et quand il voit son love et il est triste. Amen. Amen. En tout cas, moi, je suis très amoureuse de mon mari. Quand je le vois, j'ai l'impression que dans ce monde, il n'y a plus personne tout autour. Même les individus qui sont nos enfants, je ne les vois même pas. Je ne vois que mon mari. C'est ça, avoir un cœur d'amour. Si tu te sens aimé, si tu aimes ton prochain, tu seras toujours dans la joie. En tout cas, que le Seigneur déverse cet amour-là sur chacun de nous. Amen. J'aime bien Maman Kaninga, elle les reçoit très bien. Mais ça, c'est bien vraiment. Ça, c'est vraiment faire ce que Dieu veut que nous faisons. Vous savez, des gestes. Bon, j'ouvre une parenthèse. Hein. Vous savez, quand nous prions, quand on fait des gestes, tout ça, vous savez que ça fait vraiment des choses. Pourquoi je vous dis ça? C'était un jour, on était invité en Allemagne. Le pasteur était invité en Allemagne pour prêcher. On arrive comme ça, je vois une dame. Cette dame-là, ça faisait au moins, je ne sais pas combien de mois qu'elle ne marchait pas. Et ce matin-là, elle s'est dit, mais Seigneur, aujourd'hui, je vais me lever et je vais aller à ta rencontre, à ton église. Et le Seigneur lui a fait grâce. Malgré qu'elle avait les difficultés de marcher, tout ça, elle est venue à l'église. Et elle était assise au deuxième rang. Donc elle était là et moi j'étais là devant avec le pasteur. Le Seigneur me dit, regarde à ta droite. Alors je regarde, je vois la dame. Et quand je regarde la dame, elle avait les pieds d'éléphant. Quand je vous dis d'éléphant, vous savez, c'est spirituellement. Hein. Elle avait de gros pieds comme ça d'éléphant. Je voyais les pieds d'éléphant. J'étais tellement choquée. J'ai cligné mes yeux comme ça. Je l'ai fermé, je l'ai ouvert et je l'ai vu. Moi, je suis, mais le Seigneur, pourquoi il m'a montré ça? Alors que la dame, je ne la connaissais pas du tout. Et après,
அதுக்கப்புறம் Il y a l'air pasteur qui dit s'il y a quelqu'un qui a un témoignage ou bien qui veut parler de la part de notre Dieu, passe devant. Alors je vois la dame, son mari qui l'aidait à se lever. Et elle a dit à son mari, laisse, je vais essayer de marcher moi-même. Donc, malgré qu'elle a pris le temps, mais elle a marché toute seule jusqu'à ce qu'elle est montée devant la chaire et elle s'est mise là. Et elle a pris les micros. Elle a commencé à parler qu'elle était très malade, qu'elle n'arrivait plus à marcher. Et que rien que ce matin, par la prière qu'elle a fait avec cœur, le Seigneur lui a accordé, lui a permis de sortir de chez elle pour venir ici à l'église. Elle a dit, mais bien aimée, si je vous dis que j'arrivais même pas à me tenir debout toute seule. J'arrivais pas à me laver, à faire tout seul. C'est mon mari qui faisait tout pour moi. Et après, elle dit, aujourd'hui, j'arrive à bouger. Donc elle était là, elle faisait des mouvements avec ses pieds. J'arrive à marcher, donc elle tapait les pieds comme ça. Et c'est là que quand je regardais, je voyais que les pieds qui étaient en éléphant, ça s'est transformé en briques. Vous connaissez les briques là qu'on voit en Afrique, les briques là? C'était comme ça en brique. Et quand elle a commencé à taper comme ça, là, qu'elle marchait, elle faisait ses déclarations, c'est grâce à Dieu ce matin je marche. Dès qu'elle tapait les pieds comme ça, les briques s'est brisées. Et c'est là que j'ai vu vraiment ses jambes naturelles. Après j'ai fait, notre Dieu c'est un Dieu de mouvement aussi. Et donc quand on fait des mouvements, notre Seigneur nous guérit. Quand on fait des mouvements, cela veut dire que tu as tellement confiance à ce Dieu-là. Et c'est là que j'avais réalisé que oui, quand on fait des mouvements, par exemple si tu as mal au dos, tu te lèves, tu dis Seigneur, je pose ma main sur mon dos et je sais que je vais guérir. Et tu fais des mouvements, et c'est douleur, vas-y, je te chasse au nom de Jésus, tu fais des mouvements. Ça veut dire que tu crois. C'est que tu crois dans ton cœur, dis quoi que le Seigneur va les faire. Parce qu'il voit, c'est lui qui songe le cœur et le rein. Donc il voit tout, il voit tout. Donc si tu déclares, cette dame-là, elle avait tellement la foi. Elle a commencé à taper ses pieds et les briques ont commencé à se briser. C'est ça, d'avoir de l'assurance et la confiance à notre Dieu. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand on a un cœur compatissant, on a la présence de Dieu en nous. Et ça nous ramène à faire du bien à nos prochains. Donc le Seigneur m'a donné simplement ces deux mots, soyons compatissants. Vous savez, dans mon rêve, moi, quand je parle à mon Dieu, je parle, c'est comme si je parlais à mon papa, car c'est mon papa. Après, je fais, mais en tout cas, Seigneur, tu es sérieux, là, tu me donnes rien que soyons compatissants, mais moi, je ne suis pas une enseignante, mais comment je vais développer cela? Et c'est là que j'ai parlé au pasteur. On a commencé à prier. Et c'est là que je suis tombée sur ces passages. Que notre Jésus-Christ, qui est notre modèle, il était ému de compassion. Et donc ça nous ramène à nous aussi d'être ému de compassion pour nos prochains. Mais bien aimé, c'est vrai que ce n'est pas très long, mais ce que je veux ce matin, que nous puissions vraiment prier pour les uns et pour les autres. Nous allons vraiment demander au Saint-Esprit de nous donner un cœur compatissant. Chacun de nous a déjà déclaré que oui, Christ est mon modèle. S'il est ton modèle, alors sois comme lui. Mais bien aimé, nous allons manifester la compassion à travers
quelques sujets de prière ce matin. Premièrement, nous allons prier pour le malade. La Bible déclare qu'il est le médecin par excellence. Mais cela veut dire qu'avant même que le médecin puisse te toucher pour une opération, pour quoi que ce soit, lui, il a déjà opéré. Car nous sommes plus que vainqueurs. Avant que l'ennemi te combatte, dis-toi que tu as déjà gagné. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, qui a donné son corps pour mourir pour toi. Mais bien aimé, pour prier ce genre de prières, il faut prendre l'autorité. Tu ne peux pas prier être assise. Mais bien aimé, des maladies il y en a dans nos familles. Nos frères et sœurs ou bien nos parents qui sont malades. Ou bien toi-même aussi, tu ne peux même pas savoir que tu as une maladie cachée dans ton corps. Tu peux te lever là ce matin et à faire des déclarations. Si tu sais que dans ta maison, tu as laissé des personnes malades là-bas, tu te lèves et tu prends l'autorité pour déclarer la guérison pour ces gens. C'est ça, avoir un cœur compatissant, de prier pour les autres. Jésus-Christ avait guéri les malades. Jésus-Christ avait multiplié le pain pour ceux qui avaient faim, qui n'avaient pas à manger. C'est ça, avoir un cœur compatissant. Peut-être on est là. Nous savons tous qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui meurent de faim, il y a la famine. Ou peut-être au sein de ta famille, il y en a qui sont malades à cause de la famine. Tu peux avoir cette compassion-là pour prier pour ces gens-là. Mais bien aimé, nous allons nous lever et prier. Amen. Nous allons nous lever et prier. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Avant de prier pour les malades, nous allons prier pour notre sœur qui est enceinte. Si tu peux passer devant s'il te plaît. La Bible déclare, moi je sais que c'est la parole de Dieu qui déclare, que ma bénédiction enrichit et ne se fait suivre d'aucun. Ma bénédiction enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cet enfant-là, c'est une bénédiction que Dieu a donnée. C'est une bénédiction que Dieu lui a donnée. Mais le diable est tellement rusé. Il veut toujours déstabiliser les enfants de Dieu. Mais moi je sais que quand Dieu me dit de prier pour cela, c'est pour annuler toute ruse de l'ennemi sur la vie de cet enfant ainsi que de sa mère. Maman Nico, tu vas poser ta main sur notre soeur. Ou soit si tu veux, tu poses ta main. Il y a ton mari qui est là? Non, tu poses ta main. Et Maman Nicole va poser sa main sur ta main. Voilà. Parce que je préfère comme ça, parce qu'il y a certaines femmes comme moi, quand je suis enceinte, je n'aime pas qu'on pose sa main sur mon ventre. Parce que je sais que malgré cela, il y a la puissance de Dieu qui va traverser cela. On va tous tendre nos mains vers notre sœur. Et on va recommander cet enfant que Dieu lui a donné entre les mains de Dieu. Et on va déclarer que tout esprit de mort né, nous allons annihiler au nom de Jésus. Ma sœur, n'aie pas peur. Jésus-Christ, quand ainsi permet que nous prions pour ton fils, pour ton enfant qui est dans ton ventre, c'est pour annihiler tout ce que l'ennemi a prévu contre cet enfant. Amen. Prions pour notre sœur, pour son bébé. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, nous venons
dans ta présence. Seigneur, quand tu révèles des choses, Seigneur, tu m'as montré en vision cette demoiselle, cette dame enceinte que de prier pour son bébé. Et je sais que si nous prions, c'est pour un but, Seigneur Jésus. Je prie pour cet enfant, que cet enfant soit enveloppé. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, entre tes saintes mains. Et je déclare que l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur cet enfant qui est dans le ventre. L'ennemi n'aura aucun pouvoir sur la vie de sa maman. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur Jésus, ta parole déclare que ta bénédiction enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, quand tu donnes, éternel, des enfants, Père de gloire, c'est pour la joie, c'est pour la paix, c'est pour être dans la joie, Seigneur Jésus. Tu lui as donné cet enfant, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Cet enfant qui sera, Père de gloire, une vraiment nouvelle, éternel, Père de gloire, vie pour sa mère. Cet enfant qui va amener la joie, la bénédiction dans la vie de sa mère. Seigneur Jésus-Christ, que tu le protèges. Protège, mon Dieu, mon roi, papa, ces fétiches. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, ces fétiches soient protégés entre tes saintes mains. Seigneur, je refuse tout ce qui est, mon Dieu, mon roi, papa, d'esprit de mort, de mort-né, que ça soit, éternel, pour les bébés, que ça soit pour la maman qui porte l'enfant. Seigneur Jésus-Christ, je refuse de tout ce qui est esprit de mort, au nom de Jésus-Christ, qu'elle puisse, mon Dieu, mon roi, papa, être enveloppée, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, dans tes mains, Seigneur Jésus, le moment que tu la gardes dans le creux de ta mère. Je déclare que cet enfant sera invisible devant le monde des ténèbres. Que sa maman aussi sera invisible devant le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, le véritable Dieu Tout-Puissant. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Le Seigneur me met encore à cœur, encore nous prions. Pour des personnes dont le médecin qui a déclaré stérile. Pour les personnes qui cherchent à avoir des enfants. Nous allons prier. Si tu es là, je ne vais même pas te dire que oui, tu viens devant tout ça. Toi-même, tu peux poser ta main sur le ventre. Ou bien si tu connais quelqu'un dans ta famille qui cherche à avoir des enfants et que ça n'arrive pas, et que tu poses ta main à sa place, sur ton ventre, et nous allons prier. Seigneur Père de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, papa, tu as dit dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, même ni homme stérile. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, je prie, Seigneur, pour ma soeur, pour mon frère, qui cherche, éternel Père de gloire, à avoir un bébé. Seigneur Jésus-Christ, que tu l'accordes au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ma soeur que tu connais, là je pose ma main, qui cherche, mon Dieu, mon roi, papa, à avoir des enfants. Seigneur, que tu puisses l'accorder au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si cette personne ou ces personnes ne sont pas en ordre devant toi, Seigneur Jésus-Christ, dispose, mon Dieu, mon roi, papa, les moyens pour qu'ils puissent avoir de l'argent pour avoir le mariage. Dispose, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, les circonstances. Car toi, tu es le Dieu des temps et des circonstances. Dispose, Seigneur Jésus, accorde, mon Dieu, mon roi, papa, des enfants éternels. Seigneur, rends, mon Dieu, mon roi, papa, féconde à toutes les femmes et à tous les hommes dont éternel le médecin qui avait déclaré stérile. Seigneur, que tu les rendes fécondes au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi, papa. Maintenant, nous allons prier pour les malades. Si tu sais que de toi-même, que tu es malade et que tu as des douleurs, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien le médecin qui a déclaré, ou des nodules dans ton sein, ou bien un cancer, un truc comme ça, tu vas prier. Car toute maladie incurable, dont les gens de ce monde qui déclarent incurable, mais devant notre Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Le Seigneur, il guérit toute maladie. Sur la croix, il avait tout pris. Je dirais même pas non maladie, car c'est le ruse de l'ennemi. Il avait tout pris les maladies. Il avait tout pris, tous les maux de ventre, les maux de tête. Il avait tout pris sur la croix. Donc tu vas prier. Si tu sais que tu souffres de la migraine,
pose ta main sur la tête. Si tu sais que tu souffres de maux de ventre et que tu as des problèmes pour tes périodes, pose ta main en bas du ventre. Si tu sais que tu as des douleurs dans le dos ou partout dans ton corps, pose ta main sur ta tête. La puissance que Dieu a déposée en toi va descendre de la tête jusqu'aux pieds. Et le Seigneur va commencer à restaurer la santé. Maintenant, prions, Seigneur, éternel Père de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Nous prions ce matin, éternel mon Dieu, mon roi, pour chacun de nous. Seigneur, là où il y a des maladies cachées dans nos corps, Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa, que vraiment, Seigneur Jésus, tu neutralises. Oh, je les chasse au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, Papa, je prie mon Dieu, mon roi, Papa, pour des personnes qui ont des migraines. Oui, Seigneur, la migraine, mon Dieu, mon roi, Papa, ça déstabilise. La migraine, mon Dieu, mon roi, Papa, nous pousse. Ne pousse pas à faire des choses. Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa. Oh Seigneur mon Dieu, que ces douleurs, ces migraines s'arrêtent maintenant au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa, pour des personnes qui souffrent de dos, qui souffrent, mon Dieu, qui ont des douleurs parties dans leur corps. Que tu puisses les guérir dans le nom de Jésus. Car toi, tu es le médecin par excellence. Oui, certes, les médecins soignent, mais celui qui guérit, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Guéris, guéris, mon Dieu, mon roi, Papa, chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père de gloire. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons prier pour des personnes qui souffrent de la solitude. Les personnes qui souffrent dans de la vie des célibats, nous allons prier. Nous allons prier que vraiment que le Seigneur puisse consoler leur cœur. Que le Seigneur puisse diriger des bonnes personnes vers eux et qui se sentent dans la solitude et qui se sentent vraiment qui cherchent à avoir un bon homme pour pouvoir se marier ou une bonne femme. Nous allons prier. Si tu sais que tu es célibataire et tu aimerais bien que le Seigneur puisse te donner ou te ramener quelqu'un de bien, que la personne, que lui, celle qu'il a choisie pour toi, tu vas prier. Si tu te sens dans la solitude, tu vas prier. Car la présence de Dieu nous fait toujours du bien à chacun de nous. Prions pour la solitude et pour les personnes qui sont dans les célibataires. Seigneur, éternel Père de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, je viens, mon Dieu, mon roi, Papa, à un cœur, mon Dieu, mon roi, Papa, compatissant, de prier, mon Dieu, mon roi, pour des personnes qui se sentent seules, pour des personnes qui sombrent dans la solitude, pour des personnes, mon Dieu, mon roi, Papa, qui sombrent dans la dépression, Seigneur. Je prie, mon Dieu, mon roi, Papa, que ta présence se manifeste en eux, Seigneur Jésus, que ta présence se manifeste en eux au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, mon roi, Papa, pour les célibats. Éternel Père de gloire, tu as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, que tu puisses, mon Dieu, mon roi, Papa, envoyer des personnes que toi, celle tu t'es choisi, pour ma soeur, pour ma soeur, pour mon frère. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, envoie la bonne personne au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, le véritable Dieu tout puissant. Alléluia. Mes bien-aimés, l'or et l'argent appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. En tant que des enfants de Dieu, nous ne devrions pas pleurer parce qu'il nous manque ceci, parce qu'il nous manque cela. Nous allons prier que vraiment que le Seigneur puisse nous donner de l'argent. Si tu sais que tu es là, tu as des problèmes d'argent, ou bien dans ton compte, c'est toujours rouge. Nous allons prier que le Seigneur puisse te rendre prospère, que le Seigneur puisse te donner du travail. Si c'est parce que tu cherches du travail, parce que tu n'as pas d'argent, que le Seigneur puisse te donner du travail. Prions pour que le Seigneur puisse nous donner
de l'argent. Seigneur éternel, Père de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, je sais que l'or et l'argent t'appartient, Seigneur Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, je prie, mon Dieu, mon roi, Papa, pour des personnes qui sont en manque d'argent, qui ont des problèmes d'argent, Seigneur, qui ont des crédits. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, qui n'en finissent pas. Seigneur, vraiment que tu puisses, mon Dieu, mon roi, Papa, donner la stabilité. La stabilité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Oh, Père de gloire, pour les parents, éternel, de chaque étudiant et étudiante qui sont ici. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, que vraiment ceux qui ont des problèmes d'argent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, que tu puisses les accorder au nom de Jésus. Là où il y a des portes, des travails, éternel, de finances qui sont fermées, que toutes ces portes-là soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Éternel, je prie aussi pour des personnes qui cherchent du travail, que tu puisses les accorder du travail. Éternel Père de gloire, pour qu'ensuite tu puisses avoir de l'argent au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, la Bible déclare que la chair est faible, mais la suite est dit que l'esprit est disposé. Amen. On va prier pour ceux qui ont des faiblesses envers le péché. Et on va déclarer que le Seigneur lui-même s'occupe de toutes ces personnes-là qui ont des faiblesses. Les faiblesses dans la pudicité. Tout ça, c'est des péchés qui nous empêchent à avancer, des péchés qui nous empêchent à aller vers le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Pour ceux qui sont dans la faiblesse de faire des pratiques qui ne rendent pas gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier. Si tu sais, mon frère, ma soeur, que tu es dans ces cas-là, tu vas prier pour toi-même. Prions, mes bien-aimés, pour ceux qui ont des faiblesses envers le péché. Seigneur, éternel Père de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous prions ce matin, Seigneur Jésus. Oui, ta parole, mon Dieu, mon roi, Papa, dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, que ton Esprit Saint, éternel, prenne le contrôle sur chacun de nous. Enfin, que quand nous serons devant la tentation, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, que vraiment que nous puissions le refuser au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, le véritable Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui font des pratiques éternelles qui souillent leur corps, Seigneur Jésus, que ton sang, mon Dieu, mon roi, Papa, descende et commence à nettoyer, oh, ces personnes, de la tête jusqu'aux pieds, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, le véritable Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur donne la guérison des personnes qui ont des blessures intérieures. Moi, je sais que Dieu m'a guéri parce que j'avais des blessures intérieures durant mon enfance. Il s'est passé tellement de choses, mais le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a sauvé. Et toi, si tu sais que tu as des blessures intérieures, ces blessures-là, quand tu penses à cette chose-là, tu as l'impression que ton cœur est en train, comme si on a mis une vis en train de visser, et ça te fait tellement mal, et tu te mets à pleurer quand tu penses à toutes ces choses-là, que vraiment que l'ennemi dans ce monde, les gens de ce monde qui t'ont fait, et que vraiment que tu penses toujours à ça, tu vas prier. Il y en a beaucoup des enfants de Dieu qui sont ici, même derrière les écrans, qu'ils ont subi des viols, des attouchements sexuels. À chaque fois quand tu penses à ça, sûrement ça change ton humeur. À chaque fois que tu penses à ça,
tu as la haine qui monte en toi. À chaque fois que tu penses à ça et que tu te mets à détester tous les hommes sur terre, à chaque fois que tu penses à ça, tu te dis que je ne vais jamais me marier suite à ce qui m'est arrivé. Mais bien aimé, notre Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, restaure. Je vous dis qu'il restaure, car il m'a restauré. Et je sais que s'il m'a restauré, suite à tous ces problèmes-là, il va aussi te restaurer, ma soeur. Il va aussi te restaurer, mon frère. Il suffirait que d'avoir l'assurance que ce Jésus-Christ-là, il est en toi. Et c'est lui qui s'occupe de tes pensées. Et je dis, quand le Jésus-Christ va te guérir ce matin, il ne faudra plus penser à cela. Parce que le diable est risé, il va toujours te déposer ces pensées-là. Mais toi, tu as cette force-là de dominer cela. Tu peux même faire une prière que le Seigneur puisse effacer cette mémoire-là en toi. De toutes ces choses-là qui s'est passées quand tu étais petit, ceux qui t'ont fait subir, tu peux demander à Dieu d'enlever toutes ces pensées-là. Oui, il nous a donné le pouvoir et l'autorité. Et tu as ce pouvoir-là en toi. Et tu as cette autorité-là en toi. Donc tu vas prier que le Seigneur t'enlève cela. Tu vas prier que le Seigneur t'enlève cette haine-là qui te ronge. Cette haine-là de voir quand tu te réveilles, ça te met de mauvaises humeurs toute la journée. Tu vas prier que le Seigneur te ôte tout cela en toi. Car c'est lui qui pense les blessures derrière. C'est lui qui pense les blessures, c'est lui. C'est lui celle qui pense les blessures. Ces blessures intérieures là, ça n'a rien à faire en toi. Sa place n'est plus là. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, si tu fais cette déclaration-là ce matin, je te dis, c'est Dieu-là que nous prions, c'est un Dieu vivant. C'est Dieu-là que nous prions, c'est un Dieu vivant. Tout ce que tu vas demander de tout ton cœur et de toute ton âme, dis-toi qu'il va te l'accorder. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, si tu sais que tu as des blessures intérieures, prie que la présence de Dieu se manifeste en toi, que tu puisses toujours contempler la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour, sa fidélité. Alléluia, Seigneur, je prie, mon Dieu, mon roi, papa, pour mon frère, ma soeur, qui a des plaisirs intérieurs. Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi, tu es le Dieu qui m'a guéri de cela. Et je sais que tu es le même. Tu es Alpha et Omega, tu es le Dieu qui ne change pas. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, que tu ôtes ces blessures intérieures, mon Dieu, mon roi, papa, dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de mon frère ce matin. Oh, même ceux qui vont suivre en différé. Oh, Seigneur, si ils ont des blessures intérieures, que tu puisses les guérir dans le nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, nous avons un Dieu qui restaure. On va prier ce matin que Dieu puisse nous restaurer. Si tu sais qu'il y a un qui est quoi en toi, prie ce matin que le Seigneur puisse te restaurer ce matin. Vous savez, j'aurais bien aimé que le Seigneur ouvre les yeux à chacun de nous pour voir ce que moi je voyais ce matin. Son trône est tellement doré. Et il y a la lumière qui éclate. Tu ne peux même pas regarder son trône. C'est pour ça que j'ai vu l'image de ces 24 vieillards qui se prosternaient devant.
C'est là que j'ai réalisé qu'ils ne peuvent pas regarder le trône de Dieu. Tellement que la lumière éclate leurs yeux. La lumière éclaire leurs yeux. Ils ne peuvent pas ouvrir les yeux pour regarder, pour contempler. Moi, je le vis ce matin. Il était assis sur le trône, bien doré. Il y avait la lumière. C'est comme s'il y avait le soleil qui frappait sur la chaise. Et je voyais quelqu'un assis. Mais ça faisait comme s'il avait vraiment la forme d'un homme. Mais c'était tout blanc. C'était une lumière blanche que je n'ai jamais vue dans ce monde. Une lumière qui éclate, qui éclaire, qui est sans tache. Cette lumière, tu ne peux même pas le regarder. Tout ce que tu peux faire, c'est t'agenouiller et prier et contempler la présence de Dieu. C'est ça qui m'est arrivé ce matin. Il était là, mes bien-aimés, devant nous, au milieu de nous. Car je sais que parmi nous ce matin, il y en avait beaucoup qui l'adoraient en esprit et en vérité. C'est pour cela qu'il était là au milieu. Au milieu à 30, il était chiesé au milieu des louanges ainsi que d'adorations. Oh Seigneur, je prie. Je prie que tu ouvres les yeux à ton peuple. Qu'il puisse voir, mon Dieu, mon roi, papa, ta grandeur. Qu'il puisse voir, mon Dieu, mon roi, papa, ta présence. Alléluia. Et il m'a dit ce matin que sa présence a guéri les malades. Sa présence a guéri le malade ce matin. Si tu sais que tu souffrais de quelque chose, oublie cela, ne te déclare plus que j'ai toujours mal au dos. Ne te déclare plus je souffre de migraines. Ne te déclare plus oh, on m'a déclaré stérile. Ne te déclare plus. Dis-toi que c'est lui qui garde ce bébé là dans le creux de sa main. Tout ce qu'il tient dans sa main, personne peut le ôter. Personne peut te faire du mal. Parce que tu es entre les mains de notre Dieu tout-puissant. Tu vas prier que le Seigneur puisse restaurer les gens. Je connais qu'il y a des gens qui sont dans les difficultés. Des gens qui sont malades. Des gens qui sont toujours pas contents. Qui se plaignent toujours de tout et de rien. Prie que le Seigneur puisse restaurer leur vie. Si tu sais que dans ta famille ou tes parents qui sont dans une passe de divorce où il n'y a pas l'attente, il n'y a rien, tu vas prier que le Seigneur puisse restaurer le couple de tes parents, que le Seigneur puisse restaurer le mariage de tes parents. Alléluia. Si tu sais que parmi nous ici, il y a des personnes dans ta famille qui sont dans les hôpitaux ou d'autres qui ne peuvent même pas bouger, qui sont déclarés inaptes, qui ne peuvent même pas faire des choses. Prie que le Seigneur, lui qui est le restaurateur, lui qui restaure le corps, qui restaure des personnes qui souffrent, qui restaure. Prions que le Seigneur restaure, Seigneur restaure. Éternel, mon Dieu, mon papa, ta présence ce matin, c'était pour restaurer les gens. Seigneur, restaure des personnes. Restaure, mon Dieu, mon roi, papa. Restaure chacun de nous ce matin. Restaure, mon Dieu, mon papa, des couples. Éternel, qui sont au bord du divorce. Que tu restaures. Car toi, tu es le Dieu qui unit. Tu n'es pas un Dieu de séparation. Oh, les mariages, c'est toi qui l'as inventé, Seigneur Jésus. Ne laisse pas l'ennemi qui puisse séparer le couple des enfants de Dieu. Oh, le couple même de pasteurs, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont bornes de divorce. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, ne laisse plus cette place-là. Que le couple puisse se séparer. La Bible déclare que ce que toi tu as uni, Seigneur,
Personne ne peut les séparer, Seigneur Jésus. Personne ne peut les séparer, Seigneur. Restaure le mariage ce matin. Restaure le mariage ce matin, Seigneur Jésus. Restaure les personnes qui sont malades. Des gens dans tous les coins éternels, mon Dieu, mon Papa de la terre. Ceux qui te connaissent, ceux qui t'ont accepté comme Seigneur, leur Sauveur et leur Seigneur, Seigneur. Que tu restaures leur santé. Partout où tes enfants se trouvent, que tu restaures leur santé, Seigneur Jésus. Oui, j'ai un cœur compatissant pour mes frères et sœurs qui souffrent. Seigneur, je demande la guérison totale au nom de Jésus. Je demande que ta présence demeure en eux au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Papa, je demande que ce matin, que tu changes. Que tu changes chaque personne qui est ici présente ce matin. Tel que nous sommes rentrés ici, Seigneur, nous sortirons, mon Dieu, mon Papa, d'ici avec quelque chose de plus. Si tu crois, dis Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je sais que je sortirai ici vainqueur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père de gloire, pour la restauration des âmes. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la restauration des gens qui avaient des blessures intérieures. Merci, Seigneur Jésus, pour tout. Pour cet enfant que tu protèges. Pour sa maman que tu protèges. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen, amen. Acclamons pour notre Seigneur. Il est digne, il est merveilleux, notre Seigneur. On a vraiment été bénis ce matin. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues pour la première fois aujourd'hui? Non. On n'a pas évangélisé. D'accord. Le Seigneur nous a bénis ce matin à travers sa servante. Avoir la compassion. Amen. C'est vrai que quand nous avons la compassion des autres, cette compassion-là que le Seigneur met en nous, nous stoppe. Aller peut-être se venger de quelque chose ou bien rendre le mal sur le mal. Il nous aime tellement. Que vraiment le Seigneur nous aide dans notre marche de vie chrétienne. Il n'y a pas de nouveau venu. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Je rends grâce à Dieu parce qu'il avait commencé avec nous, il a terminé avec nous. Merci Seigneur pour ta présence. Si Maman Roselyne peut clôturer ce moment de prière et nous laisser notre semaine entre les mains de Dieu et notre retour. Amen. Amen. Nous allons nous lever et prier. Nous allons recommander notre semaine qui vient de commencer entre les mains de Dieu. Nos enfants qui iront à l'école, que le Seigneur les accompagne, à l'université, au collège, au lycée, dans les écoles primaires, que vraiment que le Seigneur les protège. Car il se passe tellement de choses dans les écoles que nous ne nous rendons même pas compte. Mais c'est lui qui protège nos enfants. Il est là. Certes, nous les parents, nous sommes loin. On recommande nos enfants entre les mains de Dieu. Mais c'est lui qui est présent. C'est lui qui est là. Il est présent pour protéger nos enfants. Tout au long de cette semaine, ces semaines qui a commencé, vraiment que le Seigneur se manifeste dans nos maisons. Que le Seigneur se manifeste dans vos projets. Que le Seigneur se manifeste. Que le Seigneur puisse aussi donner à chacun de nous des directives à suivre. Car lui, c'est un Dieu d'ordre. Tu ne peux pas te réveiller comme ça et te dire que je ne sais pas quoi faire. C'est lui qui va te donner des directives à suivre. Il suffit rien que tu disposes ton cœur et tu verras que le Seigneur va te conduire vers le chemin, les projets que lui-même
qu'il a tracé pour chacun de nous. Prions. Seigneur, éternel Père de gloire, merci. Merci Seigneur pour ce renouvellement des souffles de vie pour chacun de nous. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, cette nouvelle semaine, nous le recommandons entre tes saintes mains. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, que ce soit dans ma famille biologique, dans la famille biologique de mes frères et sœurs qui sont ici présents. Éternel, que ta présence se manifeste au nom de Jésus. Là où l'ennemi, mon Dieu, mon roi, papa, qui avait programmé des choses contre, mon Dieu, mon roi, papa, chacun de nous, par la puissance et l'autorité que tu nous as donnée, nous l'annulons maintenant au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Père de gloire, conduis-nous, éternel, comme un feu devant dans nos demeures, Seigneur Jésus. J'annule tout ce qui est accident de la route, de voiture. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. Accompagne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, dans nos maisons, dans le nom de Jésus. Et ta présence, mon Dieu, mon roi, papa, il demeure dans nos maisons. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bénis chacun de nous, Seigneur Jésus. Seigneur, ce que tu nous as parlé ce matin, que l'ennemi ne vient pas pour le voler, que ça reste gravé dans nos mémoires, au nom de Jésus, afin que nous puissions aussi les garder en nous, les mettre en pratique. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, toutes les bénédictions, nous les gardons en nous. Au nom de Jésus, j'ai prié et nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Passez une excellente de semaine, toujours dans la présence de Dieu. Et j'ai dit, ça serait vraiment une soirée de prière. Si tu sais que dans ta maison, il n'y a rien qui ne va pour tes études, vraiment que tu viens. On va passer de bons moments dans la présence de Dieu. Et je sais que le Seigneur va vraiment ouvrir les portes dont l'ennemi qui avait fermé pour chacun de nous. Le Seigneur va l'ouvrir ce jour-là. Vraiment, si tu sais que tu peux être là, vraiment, force-toi de venir, car on va passer de bons moments les jeudis. Amen. Et soyez bénis.